Bienvenue dans le 5e épisode. Dans quelques instants, je vais essayer de vaincre Aghanim. Alors, en passant par là et par là, si je me souviens bien. Ah, c'est vrai que j'ai une meilleure épée maintenant. Mais... Allons-y! Temple de la montagne. Alors, c'est par où? Ah, mais c'est pas celui-là. C'est celui du désert. Enfin, c'est pas grave, c'est pas bien loin. À mourir avant de l'atteindre. Non, c'est bon. Ok. Alors. Bon, moi j'ai que 3 cœurs, mais tant pis. On va sûrement pas réussir du premier coup, et puis c'est tout. Ah, c'est vrai qu'il y a les éclairs. Oh. 3 cœurs, il m'enlève les éclairs en plus. Ok. Alors, cette fois-ci, on laisse passer tranquillement les éclairs. Mais je suis lapin là. Faut que je me fasse toucher pour dire normal, je pense. Hop. Deux éclairs. Trois éclairs. Quatre. Cinq. Aïe. Voilà, plus qu'un coup et c'est bon normalement. Ouais! Cristal magique! Encore 3 à trouver! Finalement, j'ai pas eu besoin de ma potion rouge, mais. Je pense quand même que le cœur supplémentaire que j'ai eu. Il a bien été utile. Alors. Donc maintenant, je vais retourner voir le village des ombres, puisque logiquement j'ai 4 cristaux. Ouais. Je passais par là. Ah non, d'abord je vais réessayer de le mini-jeu des coffres tant que je suis là. Je sais plus où c'est. Ah, c'est là. Ce coffre est vide. Ce coffre est vide. Bon bah voilà, c'est fini. Mince. J'aurais bien juste trouvé 2 rubis pour pouvoir réessayer. Mais bon. Non, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Parce que si c'est pour réessayer une seule fois, c'est pas très intéressant. Passer par là.
Alors, monsieur le chef, qu'est-ce que tu as à me raconter cette fois-ci? Ah, voilà, quatre cristaux. L'autorisation de passer par le cimetière à tes risques et périls. Eh ouais, il m'a laissé passer. Ah non, pas eux. Oh, je peux pas les tuer. Je peux tuer aucun des deux ennemis là. Temple des ténèbres. Ok, mais d'abord je vais aller voir ce qu'il y a par là. Allez, niveau 5, temple de l'ombre. Temple de l'ombre ou des ténèbres? Cool, des nouveaux types d'ennemis. J'ai pas encore la carte. Oh non, pas une main qui tombe du plafond. Je déteste ça. Et voilà la carte. Et voilà la boussole. Tu mourras pas. Alors, d'accord, donc là on peut pas y aller. Et là-haut non plus. Donc ici, pour l'instant, c'est une impasse. Et là? Non, là je suis pas encore venu. Ok. Ah. Ah non. Ah non. Zut. Je peux vraiment pas les tuer ceux-là? Enfin, j'ai pas vraiment essayé parce que je me souviens que je peux pas les tuer, mais on peut toujours se tromper. Non, non, non. Je ferai pas tomber. Oh! Catastrophe. J'essaie de passer. Ah mince, raté. Alors, c'était par là. Ensuite. Changer l'interrupteur. Ensuite par là. Et par là. Et d'ailleurs là-haut, j'étais bloqué. Ok, c'est reparti. Je vais prendre l'arc. En fait, je vais laisser venir jusqu'ici. Et après, si je suis assez rapide, je devrais pouvoir le semer. Voilà. Et puis pour l'autre, on va improviser. Voilà. Voilà. Puis là, ça serait vraiment le pas du tout le moment de tomber. Ah non!
catastrophe. Donc attendez, en fait j'ai modifié l'interrupteur de cristal alors qu'il suffisait de le laisser comme il était. Ah non. Ou alors j'ai... Bah non, il fallait bien le modifier. Donc en fait j'ai cru le modifier mais je l'ai pas vraiment modifié peut-être. Non. Non, je vais mourir. Au secours! Je suis poursuivi! Donc là c'est bon. Logiquement. Ah ouais, mais alors là je vais jamais pouvoir passer. Est-ce que c'est vraiment bien là? Oui, c'est bon. C'est tout de suite plus dur quand il y a des ennemis immortels. Surtout quand il y a des trous et que eux ils peuvent voler au-dessus des trous. Aïe. Il m'a fait perdre 3 cœurs celui-là. Bon, alors toi si je te fais venir jusqu'ici, normalement je peux te semer jusqu'à la fin de cette salle. Pour de bon. Ensuite, on peut décider de faire pareil avec lui. Et je pense que, voilà, le problème c'est qu'ils vont m'embêter s'ils sont deux. Ah! Bon, c'est pas grave. Voilà, j'en ai semé deux. Ensuite, j'inverse le cristal. Ensuite, je continue. Soit j'avais raté tout à l'heure le cristal, soit j'avais peut-être changé deux fois sans faire attention, je sais pas. Ah, le marteau magique. D'ailleurs, peut-être que je peux les tuer maintenant. Ah non. Ok, on va aller là-haut puisqu'il y a un coffre. Une clé. Cool, 20 rubis. Waouh, plein de sous. Je vais bientôt pouvoir m'acheter soit le troisième flacon, soit dépenser plein de sous dans les jeux de hasard. Ah, une autre sortie. Ah, je suis là. Ah, c'est rigolo. Je suis près du temple de la forêt, finalement. Ah, une fée. Médaillon de Faror, il augmente ta défense d'un point. Ben voilà, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. C'est tout. Enfin, c'est tout. Non, c'est tout ce que tu me dis. Ok, elle est même plus là. Donc, je disais, oui, c'est cool d'avoir ce médaillon, parce que je commençais à tomber sur des ennemis qui m'enlevaient 3 cœurs d'un coup. Donc, c'est bien d'avoir un peu plus de défense. Alors, munis de notre marteau, essayons de continuer ce donjon. J'aille à gauche là. Je sais pas si je peux. Et par là, il y avait quoi déjà?
Ah. Bloqué à cause des interrupteurs de cristal. Sauf que si je les change, je peux plus passer là. Et là, y a rien. Par contre, je me souviens qu'au début du donjon, il y avait un endroit où je pouvais utiliser le marteau. C'était juste ici. M'embête lui. Non. J'ai tiré du mauvais côté avec le grappin. Est-ce que la technique de courir en fonçant dans le tas marche? Peut-être que oui en fait. Ah. Mais attendez, je suis revenu là? Mais ça a servi à quoi? Je suis un peu bloqué là au final. Parce que là, si je monte, y'a rien. Ah, oui, d'accord. D'accord, bien sûr. Voilà. Ouais, ça se passe bien quand on fonce. Ok, donc maintenant qu'on est avec les bons planchers interrupteurs, on va pouvoir aller là-haut. Ah, pas mal, pas mal! Et ben là, je me suis bien enrichi par rapport à tout à l'heure. Pas les tuer, eux. Malheureusement. Ah, je suis là. D'accord. J'ai gagné le droit de refaire le tour. Alors, d'accord. Probablement la clé du boss. Voilà, et le boss, il est vers le début, alors on va pas se fatiguer. On va pas se fatiguer, on va faire ça. Ah, zut, je suis là. C'est vrai. Apparaît à la dernière entrée utilisée, c'est logique. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de cœur avant d'attaquer le boss? Ok. Et comme je vais pas vous faire le coup de on verra le boss dans l'épisode suivant, et ben on va le voir tout de suite. Oula. À trouver. Oui. Fantastique ce boss, c'était passionnant. Heureusement que j'ai pas... Enfin,
que j'ai pas dit, on n'a pas le temps de battre le boss dans cet épisode et on ira le battre dans le prochain épisode. Par contre, je suis obligé de sortir du donjon de façon normale sans faire sauvegarder et quitter parce que sinon je me retrouve dans l'autre sortie et depuis l'autre sortie je suis bloqué. Voilà. Je peux toujours pas les tuer de toute façon. 5 cristaux déjà, bon bah ça avance bien. 5 épisodes, 5 cristaux. Très bon rythme. Voilà, et ben merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour le numéro 6. Salut!